Yo tout le monde, c'est Vegeta pour Vegeta Gaming et on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle vidéo sur FIFA. Au programme, je vais vous présenter donc une saison tout simplement que j'ai faite de A à 6, ma saison 6 en ligne tout simplement avec une seule équipe, le Real Madrid qui vient de gagner la Ligue des Champions. Comment je suis trop fier de ça. Du coup, j'ai pris l'équipe type Ligue des Champions avant les changements. Hein. Donc vous allez pas la voir, mais en gros c'est Navas dans les buts, la défense avec Carvajal, j'ai pas voulu mettre Danilo, donc Pepe, Ramos, Marcelo, milieu à 3, Modric, Casemiro et Kroos avec Modric en 10, et puis la BBC hein, en attaque tout simplement. Concrètement là c'est une compile de buts, c'est pas du plus beau au moins beau ou vice versa, c'est simplement j'ai enchaîné les matchs et je vous mets les buts dans l'ordre qui sont arrivés dans les matchs. Et s'il y a besoin, avec un petit commentaire de ma part sur certains buts que j'ai vraiment kiffé mettre. Et c'est parti tout de suite. Match en somme très compliqué, mais là voilà le troisième but qui m'a fait du bien, le tir de Karim Benzema. Cette frappe de loin, elle est juste magnifique. Et là, par contre, je suis vraiment content de l'avoir mis. Pareil ici, autre match, mais toujours même équipe en face FC Barcelone, ce but de Luka Modric, j'en suis trop fier, cette frappe croisée dans la lucarne, bien fort, bien ferme, ça c'est le but qu'on veut voir, franchement c'est kiffant, en plus il me dit que je suis hors jeu, l'arbitre vous avez vu, a levé son drapeau, j'ai pas compris pourquoi, mais j'ai frappé, c'est rentré, c'est le principal. Encore nouveau match, mais là franchement je surkiffe cette tête de Bale, elle est juste magnifique, je la trouve vraiment trop bien placée, le centre est parté, donc c'est encore une fois un beau but. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pas fait de montage ici parce que j'ai enchaîné 3 buts assez rapidement, c'était un match hyper compliqué et puis je l'ai senti fébrile, j'ai creusé et le mec s'en mange 4 du coup, dont 3 dans les 10 dernières minutes, les 5 dernières minutes et je suis vraiment super content de ça et on finit sur ce match avec un but de Karim Benzema, on passe tout de suite à la suite. Et comment je kiffe les actions que je fais solo avec Cristiano Ronaldo. Je kiffe me balader dans le terrain, voir que les joueurs peuvent pas m'arrêter, ça c'est tellement réaliste du coup pour moi. Et la conclusion avec la célébration du King, si, celle-là elle est terrible. Alors je cautionne pas du tout ces buts parce que quand je les prends je supporte pas non plus. Mais là pour le coup je me suis dit je déteste prendre un but d'entrée de jeu. Que le mec va m'entendre, il m'a entendu, la messe est dite, le King est toujours présent.
Ça, c'est également un de mes buts préférés pour le dribble que j'ai placé avec Modric, la volée superbe. Et puis, bah, comme d'hab, hein, c'est le King qui conclut, qui est toujours présent dans la surface, et ça, ça fait plaisir. Moi, c'est plutôt le geste que j'ai retenu, en fait, surtout le geste et la volée. Voilà, le but du King, voilà, ça fait toujours plaisir, mais bon, voilà. On était parti là-dessus, on reste dessus. Le petit dernier pour finir, petite mention spéciale, Modric en soliste, qui la glisse petit filet, la petite roulade, la petite célébration qui va bien, et voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page. Moi voilà, comme d'habitude, je kiffe, je sais que je fais beaucoup de FIFA, mais c'est vraiment mon jeu préféré. Il y aura plein de thèmes différents sur FIFA, il y aura de la vidéo sur Overwatch, il me reste quelques jeux, j'ai quoi d'autre, j'ai Destiny, The Last of Us là sous les yeux, sûrement des compiles de The Last of Us entre moi et Luffy, aka Noobs TV ou pour sa prochaine chaîne. Je vous la mettrai dans la description, dans les liens, il fera vraiment du bon boulot, il le fait déjà très très bien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, c'était Vegeta pour Vegeta Gaming. Ah, petite info, prochaine vidéo sortira sur Dragon Ball Z potentiellement.